fait une tâche. J'espère que vous allez bien. Enfin, dans le fond, aujourd'hui, c'est quand même une journée assez spéciale pour moi, ma mère, mon père, puis en tout cas, bref, ma famille. Aujourd'hui, ben, c'est la journée de mes 18 ans. En fait, c'est ma fête aujourd'hui. Ouais. Je suis enfin un adulte, je suis majeure. Je vais payer plein de taxes. Écoute, j'aurai plein de responsabilités. C'est le fun d'être un adulte, hein? Mais bon, bref, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que ça fait d'avoir 18 ans en 2018. Puis, ben, on va s'entendre que d'avoir 18 ans en 1945, puis avoir 18 ans en 2018, c'est pas la même affaire, ok? C'est... Non, ok, je dirais qu'entre ces années-là, il y a des petites affaires qui ont changé. Des petites affaires, rien qu'un peu, hein? Si c'est la première fois que tu me vois, ben salut, je m'appelle Sarah Monde. Je sais pas si tu devrais me qualifier comme étant une youtubeuse, mais je sais juste que je publie des vidéos sur les internets. Donc à toi de déduire si je suis une youtubeuse ou non. Donc avant de commencer, ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça, à cliquer sur la petite cloche de notification. Pis ça, dans le fond, ça va juste te dire que Sarah, tout simplement, a publié une nouvelle vidéo, tu sais. À faire un thumbs up et à me dire dans les commentaires, toi, c'est quand ta fête, tu sais. Moi, c'est le 17 juillet, toi, c'est quoi, le 3 mars, le 25 décembre, tu sais. Bref, à me dire c'est quand ta fête pis qu'est-ce que tu vas faire à ta fête. Sans plus attendre, ben on va commencer la vidéo maintenant. Avoir 18 ans en 2018, c'est sortir au foufoune électrique et poster 40 millions de stories pour montrer aux gens que ta soirée est vraiment hot. Mais en réalité, tu t'es croisé par un vieux crouton de 30 ans qui a une haleine de crotte de fromage passée date. Tu suis ta vie tellement que du monde. Ton petit off de chaudeur jaune de chez Topshop est un petit peu trop scrappé parce qu'il y a un maudit douchebag de Laval qui a juste vidé sa bière sur toi. Tu te ramasses enfermé dans les toilettes pour le reste de la soirée avec ta meilleure amie qui se vide le corps au complet dans la toilette. Mais tu sais, d'après tes stories, ta soirée là était vraiment hot. Genre vraiment. Avoir 18 ans en 2018, c'est d'aller déjeuner un lendemain de veille puis écrire après un lendemain de brosse. Puis que deux secondes après, tu t'en vas vomir tes tripes parce que t'es trop hangover de la date et ta petite soirée arrosée. Un bon 15$ investi, moi vous dire, là. Ouais. Quand toi pis ton ami, vous êtes dans la voiture, pis là, il y avait amassé la playette dans le tapis, pis là, ton ami, elle te filme, pis là, toi, t'es comme, ok, je vais essayer d'être chic. Là, tu danses, tu chantes, mais de un. T'as juste l'air tweet, ok? T'as juste l'air attardé, c'est pas beau, ok? T'es pas cute. Et de deux, ce qu'on sait pas, c'est que deux secondes après avoir fait la story, c'est ton ami, elle clique sur envoyer. Vous prenez le champ de la 640, vous vous ramassez à l'hôpital avec une voiture scrap, trois points de tutu sur la tête, un membre de perdu, mais tu sais, do it for the gram. C'est plus do it for the ride, non, non, non. C'est do it for the gram. Tu sais, je savais pas pendant tout, là, mais quand tu y penses, là, poster des stories sur Instagram, c'est rendu un sport dangereux. Ouais. Avoir 18 ans en 2018, c'est acheter de faire le coup, le regretter, mais recommencer, puis le regretter, puis recommencer. Le bref, c'est une roue qui tourne. Puis ben. Ah ben, Colin, c'est vrai, la four de coup est bannie. Je me demande tellement pourquoi il y a tellement pas de monde qui ont abusé de cette affaire-là. Écoute. Avoir 18 ans en 2018, c'est travailler bien plus qu'aller à l'école. Hashtag McDonald's. Avoir 18 ans en 2018, c'est poster un Snapchat à 3h du matin pour montrer que t'as bien trop de devoirs, que ton programme est tellement exigeant, pis ben que tu te couches beaucoup trop tard à cause de ta fin de session. Ouais. Avoir 18 ans en 2018, c'est aller au Beach Club, trouver hot, pis ben poster des photos avec Olivier Primo, pis écrire « Thanks bro, t'étais bien bien hot mon chum ». Avoir 18 ans en 2018, c'est tout simplement courir tous les festivals, qu'ils soient électroniques, jazz, funky et pop, machin. Écoute, qu'ils soient à Chibougamo, Montréal, Québec, Lévis, Gatineau, bref, un peu partout, tu vas juste toutes les courir. Avoir 18 ans en 2018, c'est pas avoir une maudite scène. Bref, en bon québécois, être pauvre en tabac.
Avoir 18 ans en 2018, ben c'est filmer toi en train de tenir ton volant d'auto avec la musique dans le tapis, pis là t'as l'air d'avoir ben du fun tout seul, mais que dans le fond, t'es en gros burn-out parce que là t'as tout plein de trucs à payer pour ton char, mais t'sais, l'important c'est que t'as montré ta petite Golf Beetle décapotable, pis ben t'as montré tes beaux petits ongles frais faits par Jocelyne. Et finalement, avoir 18 ans en 2018, c'est remplacer son 17 years old dans sa bio Instagram par 18 years old. Donc c'est vraiment ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis oui, je fais tout le temps ce petit rappel-là à chaque vidéo de ce genre-là. Mais bon, ces vidéos-là, c'est vraiment à prendre sur un second degré. Pour vrai, j'exagère vraiment dans tout ce que j'ai, ok? Il n'y a pas aucune chose, ben... Ok, un petit peu là, mais... Bref, j'exagère vraiment trop, ok? Puis tout ce que je dis, ça veut pas dire que si je dis ça, ça veut dire que c'est ça pour tous les ados de 18 ans. Même moi, tous les faits que j'ai énumérés, je suis vraiment pas comme ça, ok? Genre, zéro pin bar. Fait que dans le fond, c'est juste des faits pour faire rire, divertir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Puis ben nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Pouh!